Bonsoir. Ce soir, je vais vous montrer tout nouveau logiciel qui va nous permettre de faire des bypass des comptes Google et ainsi de suite. Voilà, sans plus tard, je vais vous montrer le logiciel. Le temps qui est le TFT Bypass. Voilà, donc j'ai date qu'elle laisse le document dans la description. Vous exécutez, vous voyez, c'est cette partie ici, c'est la dernière mise à jour ici. Et ça prend de Samsung jusqu'à la version Android 12. Vous voyez, ça, ce sont les différentes versions. Vous voyez, ça, ce sont les différentes versions. Il y a la version 2.0, 2.00, 2.02. Et ça, c'est la dernière version qui est 3.11 qui prend en compte la version qui prend en compte Android version 12 pour Samsung. Voilà, donc pour l'utiliser, c'est très simple. Vous branchez le port et vous venez ici pour lancer. Organisez là, ce logiciel prend en compte plusieurs marques de téléphone. Nous avons Samsung, Huawei, Vivo, je viens encore en plus bas. Il y a différentes différentes marques ici, il y a Infinix, Tecno, autres. Si votre marque ne figure pas dans la liste, vous cliquez directement sur autre ici. Voilà, ici vous passez partie, c'est lorsque vous avez branché le câble, ça va sortir. Donc ici vous pouvez passer par le mode MTP browser pour YouTube. Ça c'est ça concerne le bypass. Regardez aussi, ça c'est la commande de Samsung. Huawei plutôt. Remove FRP pour la Huawei. Vous choisissez Huawei et vous venez ici pour choisir le Huawei ADB Remove FRP. Vous voyez, après là aussi, vous pouvez venir utiliser autre marque aussi pour pouvoir tester sur le logiciel en question ici. Donc ici, on continue avec la présentation. Il y a le Samsung Hidden Setting. Ça, c'est tout ça, c'est pour le Samsung. Cette partie va vous rediriger directement sur internet pour pouvoir faire le bypass. Vous voyez, il y a remove aussi FRP. Ça connaît aussi, c'est le même téléphone Android. Voilà, donc ici il y a factory reset. Je viens en bas ici, c'est ADB remove FRP et ici remove passcode. Ça, c'est pour les mots de passe. Voilà, ici pour le faire, c'est très simple. Vous choisissez votre marque et vous venez ici pour lancer. Vous voyez, choisissez votre marque et vous venez ici pour lancer le bypass. Remove FRP. Toutes les méthodes sont les mêmes, que ce soit avec Infinix, que ce soit avec Intel, tout ça, cette méthode, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de vous abonner. Ok, donc si on continue ici, regardez ici, ce sont les mises à jour qui sont là. Vous voyez, il est très bien ici. Ça prend en compte la toute dernière version de Samsung Android 12. Vous voyez, c'est très sensible. Le logiciel, c'est un logiciel qui est très complet. Le logiciel est très complet. Voilà, il prend en compte beaucoup de choses. Il fait tout seulement, il ne fait pas l'Apple comme le Unlock Tool. Mais il se comporte comme Unlock Tool. Se comporte comme un tout. Vous ici, se cliquer ici pour pouvoir installer les drivers. Vous voyez les pilotes. Venez ici pour pouvoir installer tous les pilotes. Tout ce qui va nous empêcher de faire le bypass ici. Ici, c'est. Vous pouvez faire capture d'écran. Voilà, vous pouvez faire capture d'écran ici. Voilà. Donc, ici, c'était juste pour vous montrer un peu ce logiciel. Ce logiciel merveilleux. Pour tous ceux qui n'ont pas assez, tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter la licence de Unlock Tool, vous pouvez utiliser ce logiciel. Ce logiciel, c'est très bon. Je l'ai testé moi-même. C'est très bon. Donc, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager mes vidéos. Sur ce, merci et à la prochaine.